Eh bien, yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière sur un tuto comment faire une miniature. Du coup, les gens, tout d'abord, je tenais à m'excuser sur mon dernier live car à la fin, le son avait crash. Je suis vraiment désolée. Du coup, c'est parti. On va commencer la vidéo. Donc, tout d'abord, vous allez sur Share Factory. Je pense que vous connaissez, mais en fait, sinon, c'est une application de montage sur PS4. Elle est superbe. Franchement, je vous la conseille vraiment. Donc, tout d'abord, vous allez dans Photos. Vous allez dans Nouveau projet. Ensuite, choisissez. Par exemple, si vous avez fait. Allez, on va dire que vous avez fait une vidéo de The Last of Us, par exemple. Là, par exemple, image The Last of Us. Hop, 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 il y a tout ça. Hop, ça c'est des photos. Hop, ou sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire sinon? Voilà, par exemple. Hop, imaginez que vous voulez faire une vidéo sur Uncharted 3. D'ailleurs, il y aura peut-être un let's play sur Uncharted, Uncharted 1, les gens. Donc, voilà, peut-être, hein, c'est pas sûr. Uncharted 4, pardon, excusez-moi. Du coup, là, vous appuyez sur X, à part si vous voulez renommer le projet pour vous en rappeler, mais moi, ça va. Donc, par exemple, là, vous pouvez faire... donc, déjà, pour ce que j'ai fait là pour faire ça, j'ai appuyé sur X. Ensuite, j'ai fait... ensuite, vous faites ajouter superposition. Hop. Par exemple, là, vous allez dans les textes. Hop, vous faites ça. Ensuite, par exemple, vous mettez OMG, par exemple. Là, vous faites modifier. Vous bougez le texte avec le joystick R. Donc là, par exemple, là, vous bougez. Voilà, hop, hop, hop. Par exemple, là, ça vous va comme place. Attendez. Hop, là, vous appuyez sur X. Ensuite, par exemple, vous voulez modifier la couleur. Déjà, là-haut, il y a la teinte. Voilà, hop. Moi, je vais mettre par exemple en vert. Ici, c'est la saturation. Et ici, c'est la luminosité. Donc, moi, par exemple, on va dire que comme ça, ça me va. Hop, j'appuie sur X. Ensuite, il y a effet de texte, effet textuel, excusez-moi. Donc, vous faites hop, OMG, OMG, OMG. Voilà. Là, vous choisissez celui que vous voulez. Par exemple, moi, on va dire que j'aime bien celui-là. Ensuite, ce que vous pouvez faire d'autre? OMG, vous pouvez mettre... par exemple, là, c'est bon, vous avez fini avec le texte. Vous appuyez sur... ensuite, pour rajouter une autre superposition, excusez-moi, vous appuyez sur X, hop. Et là, vous faites stickers. Et là, vous faites, par exemple, regardez. Par exemple, vous pouvez mettre la bombe, vous faites X pour la modifier. Donc là, par exemple, je vous ai pas montré ça sur le texte. Du coup, bah, je vais vous le montrer maintenant. Donc, par exemple, si vous voulez rétrécir le sticker, vous appuyez sur L1. Si vous voulez l'agrandir, vous appuyez sur R1. Voilà, hop. Ensuite, par exemple, vous voulez la poser, vous posez, excuse-moi, vous voulez poser. Une bombe ici, hop, vous faites X, hop, ensuite, bah là, vous pouvez faire la capacité, l'opacité, donc là, voilà, hop, 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 donc moi, j'aime bien comme ça, hop, ensuite, ordre de disposition, vous appuyez dessus, ça, c'est pour choisir laquelle modifier, donc pour l'instant, voilà, comme ça, j'aime bien, hop, ah oui, aussi, j'avais oublié de vous dire ça, donc ici, vous pouvez modifier le cadre, pour mettre par exemple une deuxième photo, mais bon, pour l'instant non, mais pour l'instant je vais faire ça. Du coup là, par exemple, vous voulez modifier la photo, vous voulez continuer à la modifier, vous refaites ajouter superposition, vous re-appuyez sur X, hop, voilà. Là par exemple, que vous voulez faire, par exemple les gars, vous voulez faire par exemple, attendez, hop, est-ce que c'est, attendez les gars, par exemple, regardez, vous pouvez faire hop, aligner, là vous pouvez supprimer le sticker,
Ensuite, vous faites modifier, vous le rétrécissez et vous regardez là, vous pouvez le bouger avec R2. Vous appuyez sur R2 pour le ramener vers la droite ou R2 pour la gauche. Donc là, je vais le rétrécir un peu. Là, vous, par exemple, vous pouvez le mettre là, vous le rétrécissez un tout petit peu, hop, encore un peu, voilà. Comme ça, par exemple, c'est bien. Vous appuyez sur X et là, hop, pour confirmer les gens, c'est très important, vous appuyez sur... Ah, par exemple, là, il n'est pas super, là. Vous faites modifier superposition, je vais... Ah, excusez-moi. Hop, non, mince, excusez-moi, les gens. Hop, voilà, là, vous, avec le joystick R... non, vous appuyez sur carré, excusez-moi, dès que vous choisissez ce que vous voulez modifier. Ensuite, vous appuyez sur X. Là, vous faites ça. Et non, on rétrécit un petit peu. Voilà, grandir un petit peu quand même, les gens. Hop, voilà. Voilà, comme ça, par exemple, c'est bien. On va dire que là, c'est bien. Du coup, ensuite, vous faites encore X. Vous rajoutez une superposition. Vous faites modifier superposition du coup, mais après vous appuyez sur X, sur le carré. Ensuite, là, ce que vous faites, ou par exemple, vous pouvez mettre une flèche, tiens, parce que c'est voilà. Hop, vous faites ça. Ensuite, déjà, vous faites modifier parce que là, elle est un peu grande et elle va prendre. Hop, là vous pouvez la tourner, hop. Et là avec R, donc R2 pour la tourner vers la droite et L2 pour la gauche. Donc là par exemple, voilà, OMG par exemple. Hop. Tac, là c'est bien, hop. Et là ensuite, dès que vous avez appuyé sur X, vous appuyez sur rond. Et là c'est bon, là. Vous avez un petit début, enfin pas un début, mais t'es presque fini. Donc là, vous refaites modifier superposition, vous appuyez sur X, et là, vous pouvez mettre par exemple, si vous voulez, sticker de thème par exemple, des stickers de thème ici. Ici, il n'y a pas grand chose hein, comme sticker de thème. Vous avez un sticker, et là, par exemple, vous voulez mettre votre avatar sur. Sur la miniature, donc là vous le mettez ici par exemple, vous le rétrécissez avec R1 et R1 pour l'agrandir, hop hop. Ici par exemple, ça vous va dans le coin là, attendez, je vais bien le mettre, voilà. Là par exemple, ça vous va, vous appuyez sur X, hop. Ensuite vous appuyez sur rond et là voilà. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Ensuite, ce que vous faites, bah là vous faites option, vous faites exporter vers galerie, voilà, hop, projet terminé. Donc là vous sortez, quittez, sauvegardez le projet, quittez, hop, ok. Donc là par exemple, vous avez dans vidéo, si vous avez déjà fait, enfin logiquement vous pouvez faire même la miniature avant d'avoir fait la vidéo, excusez-moi. Donc comme vous voulez, par exemple sur ma vidéo, pardon, attendez, je vais voir une vidéo. Voilà, ça c'était ma vidéo vache faire top 1, je pense, ou c'était, ouais c'était ça. Du coup là vous appuyez sur X, vous faites carré, attendez, non, vous enlevez déjà tout ce qui... hop, ça vous l'enlevez. Vous appuyez sur X hein, pour l'enlever. Hop. Bon, c'est pas grave, on le supprimera les gens. Du coup, hop, voilà, vous faites lancer projet, vous faites continuer. Hop, là vous faites carré, supprimer clip. Dites-moi les gens aussi si vous voulez un tuto comment faire un montage par exemple. Là c'est... Voilà, ça c'est mon outro. Et voilà, hop. Donc ensuite vous, là vous faites X, vous faites ajouter capture. Ensuite vous prenez par exemple là, regardez, c'est sauvegardé vu que j'ai appuyé sur triangle et j'ai fait sauvegarder le projet. Donc vous appuyez sur X et vous faites ajouter capture.
hop, carré du coup. Et ensuite là vous la laissez pas, vous allez dessus et vous faites option. Et là vous faites générer miniature. Et là ça va vous mettre miniature production gardée. Vous faites OK. Et là vous appuyez sur carré, excusez-moi. Et là vous faites supprimer clip. Hop, confirmer. Et là voilà. Donc là par exemple, regardez. Sauvegarder le projet et quitter. Donc là par exemple, quand vous allez mettre la quand vous allez poster la vidéo en ligne, quand vous allez mettre la vidéo sur YouTube ou sur n'importe quel réseau social, pardon, excuse-moi, il y aura déjà la miniature. Du coup les gens, dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Thank you.